C'est à Damas que j'ai rencontré des cadres du Hezbollah. Alors là, on n'a pas le droit d'en parler. Là, pas de musique techno. Hein. J'ai essayé à un moment donné. J'en ai vu un, je fais ça. Il m'a dit, non, assis-toi, on s'en fout de ça. Et donc, alors le Hezbollah, on n'a pas le droit d'en parler parce que c'est une organisation classée terroriste. Donc malheureusement, ah non, je peux pas, c'est en France. Mais là, ils ont été classés terroristes. Alors je sais pas qui fait le classement, c'est vrai, parce que je sais pas comment ça marche, si c'est les matchs à l'extérieur qui comptent double, je sais pas. Parce que franchement, sur place, moi j'ai pas vu ça. Hein. Moi j'ai, bon, franchement, je vous le dis, hein, j'ai des amis du Hezbollah, hein, très bons amis, et les mecs se sentent pas du tout terroristes. Hein. Franchement, j'ai demandé, hein, mais tu te sens terroriste? Bon. Tu veux un thé? Tu vois un peu le temps? Non, on n'est pas du tout dans. C'est plutôt ceux d'en face qui sont vus comme des terroristes. Hein. Moi, j'ai pas de parti pris, hein, mais. Si, attends, l'entité sioniste, comme ils l'appellent là-bas. Hein. Attends, ils sont méchants. Moi, j'y suis allé après des bombardements. Les mecs, ils bombardent tout le monde, là. Comme ça, on sait pas. La guerre préventive, en plus, tu vois, les mecs, les faux culs, les menteurs. Guerre préventive. Le mec, il balance tout ce qu'il peut. Il n'y a plus rien. Mais c'est préventif. L'Israélien, il est menteur. Et la guerre propre, il fait. Alors, c'est pas propre au sens où il y a moins de sang sur le champ de bataille. Hein. Non, autant. Il faut des bottes, sinon t'en as plein les chaussettes. Mais c'est propre au niveau, je dirais, moral. C'est-à-dire, l'Israélien, il va faire la guerre. Ça va. Ça va, Moshe, qu'est-ce que t'en penses? Elle est propre, cette guerre. Et puis c'est propre quand t'es dans l'aviation de Tsahal, parce que t'as même plus besoin d'être dans un avion, c'est des drones. T'es chez toi, t'es ton bureau, c'est propre évidemment. Hein, t'as un joystick, une coupe de champagne. Une seconde, Rachel, je suis au-dessus de Gaza, chérie. Mais oui, je balance du phosphore blanc. Ramène-moi des pistaches. Tout ça, évidemment, hein, dans le cadre des conventions de Genève. J'aurais pu faire un spectacle entier sur les conventions de Genève. Conventions qui ne concernent bien évidemment que le canton de Genève. Hein. Sortie de Genève, open bar, lâche-toi. Flottille dans ton cul, phosphore blanc pour tout le monde. Non, franchement, c'est... Et tout ça sous l'observation, enfin attentive de l'ONU, tu sais, l'ONU, des collègues humoristes à moi. À chaque fois qu'Israël est impliqué, je regarde l'explication de l'ONU. À chaque fois, ils interviennent à un moment donné chez moi. Je taisez-vous, il y a l'ONU qui parle. Enregistre. Mec, bien habillé, le gars, il arrive. Non, cette fois-ci, non. Je crois qu'il faut quand même arrêter. Hein? Ça va, j'ai pas été trop. On se retrouve à la cantine, d'accord. Et alors, l'expression tout en haut, au-dessus, il n'y a personne. Hein. Devant laquelle tout le monde se couche, tout le monde se prosterne. Le crime contre l'humanité. C'est une expression qui est née en 1946 à Nuremberg. Avant, il n'y avait pas eu de crime contre l'humanité. Non, c'est pas rétroactif comme concept. Hein. Non. Les Indiens d'Amérique, non. De la délinquance. Excuse-moi, Benali, je sais, mais... Hein, l'esclavage des Noirs, pareil. Des risques interethniques. De la bagarre. J'avais vu ça chez Ardisson, le chantage à l'antisémitisme. C'était Besancenot qui s'était fait choper par la commandante tour. Le gars, tu sais, en plus, il avait rien dit. Le gars, tu sais, je crois quand même en Palestine, des fois, on sait pas tellement. Et en face, il y avait un mec du CRIF, toi, un 5 étoiles. Le mec au-dessus, c'est Jérusalem. Et le mec, il a dit antisémite. Oh, je suis pas antisémite, non.